Wesh les zouzous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va envoyer du lourd, de la patate, des frites, ce que vous voulez. Donc juste avant que la vidéo commence, je précise que cette vidéo a été envoyée à des chaînes communautaires et je les remercie grandement si elles m'uploadent. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle de ouf sur Code Modern Warfare remasterisé. Et n'ayez pas peur, je vais faire des vidéos sur IW, des commentaires, des astuces pour devenir meilleur sur IW et sur la bêta pour sortir les nukes beaucoup plus facilement. Vous devez vous demander, il y a quoi sur Code 4? Vous savez qu'il allait avoir 16 maps, mais en fait, ils vont en mettre que 10, et ensuite ils vont en mettre 6 qui vont arriver beaucoup plus tard. Je pense c'est pour garder en haleine la communauté, mais sous forme de DLC. Vous devez avoir peur des DLC, ça va être payant et tout. Non, ça va être des DLC gratuits, pas comme sur BO3, mais plutôt des DLC comme sur GTA. Donc en gros, ils vont être gratuits. Mais il y a une autre news sur justement Code 4 remasterisé. Il y a un texte en anglais, mais je l'ai traduit. En fait, le texte veut dire qu'on pourra acheter Code 4 séparément. Dans le texte, il y a un mot "opposchase" et ce mot veut dire qui possède, qui achète. Donc cela veut dire qu'on va pouvoir acheter Code 4 sans IW. Donc ça veut dire qu'il y a une très forte probabilité que Code 4 soit vendu séparément de IW. C'est une énorme news. Mais il y a des personnes qui vont dire « Ouais, mais t'avais qu'à acheter l'édition Legacy et puis voilà, t'as pas besoin de racheter le jeu Code 4. » Mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait l'édition Legacy? C'est parce que Activision, c'est une machine à fric. Et leur seul intérêt est de se faire de l'argent, les gars. Sur le dos des consommateurs. Sur nous, quoi. Sur les pigeons qui achetons ce jeu. Bah, par exemple, on a les largages de ravitaillement. Ou les DLC. Ou alors encore, on a les camouflages sur les armes qu'ils ont rajoutés. Le but d'Activision, c'est de faire de la thune. Donc s'il y a 200 000 jeux vendus en précommande, bah, ils vont être contents, ils vont peut-être atteindre plus que leur seuil de target. Donc, et en plus, il y a Code 4 remasterisé, ça va être énorme l'argent qu'ils vont se faire. En plus, les gens qui ne veulent que Code 4, bah, ils vont acheter que Code 4 à la fin, mais ils vont devoir attendre. Donc voilà, encore une fois, Activision, ils font tout pour avoir de l'argent. Dès qu'ils voient une occasion en or, cette occasion est vraiment énorme et bah il l'utilise pour se faire de l'argent. Et je pense que le jeu seul ne sortira qu'au mois de décembre. Pourquoi au mois de décembre? Parce que le petit Kevin de 10 ans va dire à ses parents « Je veux le jeu, mais Code 4, que Code 4, parce qu'il coûte moins cher. » Et qu'Activision donc se feront un peu plus d'argent encore une fois parce qu'ils vont ressortir le jeu et que ces Kevin vont acheter ce jeu parce qu'il coûte moins cher et ne vont pas acheter IW. Bon après, on était déjà tous dans cette situation à Noël. Et désolé à tous les Kevin, mais franchement Kevin c'est un peu un nom qui court. Désolé aux Kevin. Donc voilà, je pense que Code 4 remasterisé sera vendu séparément de IW parce que Activision a bien trouvé là où il pouvait se faire de l'argent. Et on va pas se le cacher, il y a plus de personnes qui attendent Code 4 pour la nostalgie ou tout simplement qui en ont marre des jetpacks et qui en ont marre des jeux futuristes. Il semblerait aussi qu'il y aurait l'apparition du titre nucléaire sur Code 4. C'est super, comme ça on pourra faire des nucléaires, des doubles nucléaires, des triples nucléaires. Donc vous voyez le délire les gars, on va niquer des mers. Donc voilà, j'avais juste ça à vous dire. Mettez un max de likes pour la vidéo et donnez-moi votre impression, votre ressenti. Si vous préférez Code 4 remasterisé ou IW, dites-moi le dans les commentaires, ça me ferait très très plaisir. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc moi je vous dis peace, ciao, bonne fin de vidéo. Allez, ciao tout le monde, peace.
Mes coups de sueur ont l'odeur de l'enfer. Ça recommence, on finira par s'y faire.